Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Là aujourd'hui je vais vous présenter une astuce culinaire. Ne partez pas, c'est tout de suite. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire voir aujourd'hui comment est-ce que je fais mon yaourt. Et voilà, j'ai commencé par faire le yaourt à la maison parce que je me suis retrouvée un jour où j'avais besoin du yaourt mais je n'en avais pas à la maison et je n'arrivais pas aussi, j'étais pas dans les conditions pour pouvoir en racheter. Comme ça, je pense aussi à pouvoir le faire à la maison. Je commence par m'informer, je comprends par la suite que c'est assez simple. Donc, j'ai voulu vous proposer ça aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous aider, voilà, dans toutes vos recettes culinaires et pour toute la famille. Là, mes amis, je vous invite à faire aussi très attention en ce qui concerne la culture de bactérienne, on va dire comme ça, dans la confection du yaourt. Parce que le lait, c'est un élément assez délicat. Donc, allez-y, mollo, parce que si ce n'est pas fait dans des conditions assez hygiéniques, ça peut vous apporter d'autres problèmes de santé. Donc, moi, je vous invite, comme vous l'avez, vous le verrez par la suite dans la vidéo, à procéder avec des éléments qui sont propres, bien désinfectés, voilà, bien propres pour faire votre yaourt. Si vous avez aussi une yaourtière, c'est aussi bon. Mais moi, là, je n'en avais pas. Donc, je fais avec les moyens de bord, voilà. Et vous allez voir que vous allez réussir à le faire sans problème. Donc là, ce que je fais, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition du yaourt. Voilà mes chéris, nous allons faire aujourd'hui du yaourt. Oui, vous avez bien compris, du yaourt. Donc là, j'aurai besoin seulement de ces trois petits éléments-là. J'aurai besoin de lait. Moi, j'utilise ce lait-là que j'ai à la maison. C'est aussi bon pour faire mon yaourt. Et là, j'ai 1 litre. Pour mon yaourt, j'aurais besoin aussi de yaourt grec. J'aime bien utiliser, comme vous le savez déjà, ce type de yaourt grec-là qui ne contient pas du sucre. Et pour terminer, j'aurais besoin du lait en poudre et moi, j'utilise le lait Nido. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je viens chauffer mon lait liquide que je vais renverser petit à petit ici. Voilà, mon lait se présente comme ça. Je vais le laisser bien chauffer. Voilà. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je vais passer à la deuxième étape. Donc là, ce que je fais, je continue ma préparation. Dans cette tasse-ci, je vais venir ajouter de l'eau. Et moi, j'utilise de l'eau naturelle. Voilà. C'est quelque chose que vous allez manger. Donc moi, je vous invite à utiliser ce genre d'eau-là. Voilà, de l'eau en bouteille. Je vais prendre une tasse. Ensuite, je vais venir aussi rajouter ma poudre de lait et je vais rajouter une tasse de poudre de lait. Donc là, pour moi, ça va. Ensuite, je vais venir rajouter, on va dire, presque la moitié de mon yaourt grec. Donc là, ça donne ça et je vais commencer par bien mélanger. Voilà. Donc ça donne plus ou moins ça. Là, j'ai effectué mon mélange et pendant que je suis en train de porter à ébullition mon lait, voilà, je voulais vous faire voir aussi ça. Là, j'ai ce bol là, j'ai pris dans un supermarché, voilà, le supermarché à côté de chez moi. Et ce sont des petits bols, voilà, qui sont, voilà, ils sont nouveaux, ils sont propres, stérilisés, qui ont ces fermetures là, voilà, que je vais utiliser. Je vais essayer d'ouvrir un pour que vous puissiez voir avec moi. Vous
Voilà, ça donne plus ou moins ça. Que je vais utiliser pour conserver mon yaourt. Moi, je vous invite à prendre des bols de ce genre-là qui sont propres, stérilisés. Et parce que avec le yaourt, faudrait pas badiner. Faut pas s'amuser avec du yaourt. Parce que ça pourrait aussi virer au vinaigre. Donc, j'ai ça aussi. Un truc de ce genre-là. Et vous avez votre bol qui est prêt. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour conserver mon yaourt. Donc là, mes chéris, comme vous le voyez, je suis en train de porter à ébullition mon lait. Et je vais l'éteindre tout à l'heure et commencer par le faire refroidir jusqu'à, on va dire comme ça, la vie commence par monter, je l'éteins. Je vais laisser refroidir le tout jusqu'à 45-50 degrés et puis je continue ma préparation. Voilà, à tout de suite. Donc là, mes chéris, comme vous le voyez, j'ai mon lait qui a refroidi. Donc là, ce que je fais, je viens renverser cette préparation-là que j'avais fait tout à l'heure. Là, je vais renverser le tout dans mon lait qui a refroidi. Et là, ce que je fais, je vais bien mélanger le tout. Voilà, là mon lait il est prêt. Donc là ce que je vais faire, comme vous le voyez ici, j'ai nettoyé tout mes petits bols que je vais utiliser pour conserver mon yaourt. C'était déjà propre, hein, c'était déjà nouveau, mais j'ai préféré relaver le tout et bien désinfecter le tout. Voilà, bien stériliser le tout. Donc ce que je fais, je commence par les remplir. Donc voilà, là, mes chéris, comme vous le voyez, j'ai renversé mon lait, voilà, dans tous mes vases. Voilà, et ça tombe juste. Je vais commencer par fermer le tout. Donc là, mes chéris, ça donne plus ou moins ça que je vais essayer de mettre au four. Voilà, je vais préchauffer le four à 50 degrés. Pendant 5 minutes et puis je teins le tout. Je vais insérer mes yaourts là dans le four et laisser reposer toute la nuit. Et le lendemain, je vous ferai voir par la suite le résultat. Donc là, mes chéris, j'ai changé d'avis. Ce que je vais faire, je vais venir utiliser cette glacière-là. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà, je vais utiliser cette glacière-ci pour mettre tous mes yaourts là et les faire reposer la nuit, parce que là je vais utiliser mon four pour cuisiner. Donc je vais essayer d'utiliser ça. Je vais apporter une source de chaleur dans ma glacière et puis insérer tous mes yaourts pour les laisser reposer toute la nuit. Voilà, donc là mes chéris, j'ai cette carafe là que vous connaissez déjà, que je vais utiliser pour apporter une source de chaleur dans ma glacière. Voilà, pour tenir au chaud tous mes yaourts. Et là, comme vous le voyez, c'est assez bouillant. J'ai fait bouillir un peu d'eau, voilà, que je vais insérer dans ma carafe. Donc là, j'ai ça, j'ai rempli ma carafe d'eau chaude et que je vais venir installer dans ma glacière. Donc là, mes chéris, comme vous voyez, j'ai essayé de faire ça, voilà, parce que je ne pourrais pas maintenir le tout dans mon four, donc je préfère mettre là. J'apporte toujours cette source de chaleur là. Comme vous le voyez, mes yaourts sont là. Et j'ai de l'autre côté ma carafe qui contient de l'eau chaude. Donc ce que je fais, je vais venir rembourrer, hein, voilà, tous les espaces vides. Couvrir ça pour maintenir aussi la chaleur. Donc j'ai cette petite nappe là que je vais venir insérer. Puis je ferme le tout.
Donc là, comme ça, je vais tenir jusqu'à demain. Voilà, et puis je vous fais voir par la suite le résultat le lendemain. Voilà, mais vous le verrez par la suite, tout de suite dans cette vidéo aussi. Donc à tout de suite. Donc voilà, là, mes chéris, nous sommes au lendemain. Je viens à peine d'ouvrir ma glacière. J'espère qu'on va découvrir ensemble et on va voir les résultats. Voilà, nous allons découvrir ensemble. Voilà, j'espère que vous voyez. Ça donne ça. J'ai un peu d'eau au-dessus. Ce que je vais faire, je vais le mettre au frigo. Là, notre yaourt, il est au top. Voilà. J'ai laissé un peu plus d'heures parce que j'avais pas assez de temps. Bon, là, on va commencer par le mettre au frigo et je reviens à vous pour vous montrer le résultat final. Voilà, c'est déjà un bon point. Donc là, mes chéris, comme vous le voyez, j'ai laissé encore un peu plus de temps, voilà, dans le frigo. Et je vais ouvrir pour vous faire voir. Voilà, ça donne plus ou moins ça. J'espère que vous voyez. Donc là, on va voir ensemble. Et ça donne ça. Donc ce que je peux vous dire, comme vous l'avez vu, ce serait mieux de garder un peu plus votre yaourt au frigo. Et comme ça, vous allez avoir une consistance un peu plus voilà, de ce genre-là. Voilà, ça donne ça. Voilà. Voilà, mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous êtes une personne qui avait déjà l'habitude de faire à la maison son yaourt, laissez-moi en commentaire vos expériences pour partager cela avec des personnes qui voudraient se lancer, à faire le yaourt à la maison. En tout cas, voilà pour vous aujourd'hui une très belle recette que vous pouvez manger à la maison, en famille, et vous pourrez l'accompagner avec tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi, pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.